Le million, le million. Avec nos loteries Le Million de GM Punjabi, du 21 octobre au 9 janvier 2023, pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Côte Mammouth et Xoban Rivandea, ou Ena N Sans Gaiban Cash Prize! Ena N Million Roupies à remporter! La fin de l'année pour Zolinette! N'a pas tardé à l'aster ou produit à ster la même! Avec GM Punjabi, pour dresser net! Le Million, le Million, le Million! Bonjour et bienvenue dans le Rond Central. Tout de suite, le sommaire. Hervé Renard, le sorcier blanc des Saoudiens. L'Arabie Saoudite a causé la surprise du mondial en battant l'Argentine hier. Giroud égale Thierry Henry, souvent critiqué l'attaquant des Bleus, est devenu hier co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Belgique, carte de la dernière chance pour la génération dorée. Votre dose d'humour du jour. Le Mika Show, votre rubrique à consommer sans modération, à découvrir aujourd'hui le quatrième épisode intitulé « Kvyatchir ». On parlera de l'Allemagne, début d'une nouvelle ère pour la Nationalmannschaft avec ses jeunes aigles affamés. L'Espagne de retour au premier plan, la Rora est l'une des équipes les plus jeunes de ce mondial, mais arrive avec de grandes ambitions. Regard sur Doha, Jean-Luc Émile revient de l'Émirat. Il nous racontera l'ambiance chez le voisin Dubaïote. Et dans votre rubrique « Le temps additionnel », vous retrouverez aujourd'hui Émilie Bollock, mannequin et fan du Brésil. Content de vous retrouver dans le rond central. Nous avons beaucoup d'affaires pour nous causer, beaucoup d'affaires qui sont arrivées hier, beaucoup de une grosse surprise surtout. Aujourd'hui, nous sommes avec nous, évidemment. Loïc Gangaram. Loïc, bonjour. Bonjour, Achraf. On remet tout un petit peu de l'émotion de l'Arabie Saoudite. Certainement, une victoire de l'Arabie Saoudite qui PSG ne va pas attendre face à l'Argentine. Surtout que Léo Messi est très attendu pour le coup d'envoi de l'Argentine dans le sommet mondial. Et nous, l'invité du jour aujourd'hui, c'est Mervyn Josselin, capitaine de Chebel Citizens. Mervyn, c'est l'homme à tout faire un petit peu à Chebel. Mervyn, bonjour. Bonjour, Achraf. Comment vous trouvez on remet tout un petit peu de l'émotion ici? Pas certain, c'était le choc hier. L'Argentine face à l'Arabie. Ah oui, oui, c'était une ambiance, c'était une jolie ambiance. C'était de mon travail avec mes collègues. Nous avons assisté le match à travers le portable et c'était une ambiance marseillaise. Pas une crasse portable, non? Non, non, non. Je pas une fan de Léo Messi ni l'Argentine, alors ça va. Derrière cette sensation, ce succès de l'Arabie Saoudite, il y a un homme en particulier, Hervé Renard, Hervé the Fox, Hervé le magicien, le sorcier blanc, Loïc, Hervé Renard qui frappe encore. Hervé Renard qui frappe encore, mais vous pensez que la scène mondiale, pas trop connue, c'est surtout la scène africaine qui est connue par rapport à ce bon exploit qu'il a fait à la CAN en 2012, nous rappelle qu'il a conduit à la Zambie et à la victoire, et après, et 3 ans après, avec la Côte d'Ivoire. Donc, Hervé Renard, il toujours fait bien avec bonne sélection, mais quand même, il a beaucoup de difficultés en club. Il passe avec des 3 équipes en club, en Ligue 1 surtout, dans Lille, on va un peu, mon coach Sochaux aussi, il fait des trois mois là-bas, des 3 saisons. Mais jamais il réussit, il amène sa bonne équipe là, et récemment, il a trouvé qu'il réussit, il se qualifie le Maroc pour la Coupe du Monde aussi. Donc, Hervé Renard, qui fait un bon exploit assez impressionnant, là, avec un nouvel exploit avec l'Arabie Saoudite, qui apparemment s'est décrété jour férié aujourd'hui. Donc, pour dire un petit peu qu'il en pleure, sa victoire-là, il prend. Et c'est tout le choc, un séisme qui pèse une base spartane. De tout, je peux dire l'Argentine, avec Messi, sa dernière Coupe du Monde, nous peux attendre un score fleuve de l'Argentine, quand il tourne, il met son premier goal en début de match. Mais après, on va connaître qu'il est arrivé. Nous trouve l'Arabie Saoudite, il prend confiance. Et c'est toujours de pécoser un petit peu le discours d'Hervé Renard pendant la mi-temps. Côté je peux dire que ce ban attaquant, pas tu peux presser assez, pas tu peux presser ban arrière central argentin, pas tu peux presser ce milieu terrain. Mais quand il dit ban, je tenais assez trop tiré pendant la première période, mais maintenant c'est l'heure de presser. Et quand Banane réussit à faire ça, l'Argentine a des difficultés pour mettre ce jeu en place. Et Hervé Renard qui l'entraîne pendant 5 ans en club en France, mais
Puis il entraîne beaucoup de sélections. Le Everino, c'est un petit peu le Sam Allardyce des sélections. Quand il a un problème, on prend Everino, on va amener les résoudre le problème. Donc, vous pensez qu'il y a un personnage en lui-même, parce que quand nous avons Everino, tout ce bon match, c'est avec ses chemises blanches, un peu classe. Donc, nous l'appelons le sorcier blanc. Maintenant, on va appeler le magicien blanc, parce qu'il peut faire un peu magique partout dans toute bonne sélection que lui peut passer. Donc, Everino, vous pensez peut-être nous cadre au lit d'une grande sélection à l'avenir. Et Mavi, nous nous avons rencontré avec Everino. Ouais, c'était un voyage à Côte d'Ivoire et je me suis rencontré dans l'avion et c'était une rencontre assez sympa, ouais, parce que pour moi c'était un entraîneur qui me fait bien avec la sélection et tout. Et comment je peux dire qu'il y avait Renaud, il me fait beaucoup manger avec ma sélection. Je suis rien joué une autre sélection Maurice et qui a fait un manger avec nous l'équipe nationale. Mavin Joseph, vous sens de poste là ou bien Mavin Joseph, vous jouez pareil? Non, je ne pas connaître, peut-être dans l'avenir, peut-être qu'il ne m'a pas pu jouer, mais m'a pu là, certainement, dans le football. Co-assistant, co-entraîneur avec Everino. C'est jamais. Mais quand nous guettons, à chaque fois que nous guettons, c'est tout, Everino, mais Vinny fait ressortir le but qu'il fait pour qu'il puisse jouer Everino avec le club, nous ne pas connaître. Mais quand nous guettons l'exploit, c'est vraiment un véritable exploit, parce que quand nous guettons la sélection saoudienne, c'est surtout un jeu local. Tout bon joueur, presque, je suis toujours dans le championnat local. Il y en a à Lilal, il y en a 12 joueurs qui jouent dans Lilal. Parmi les 26, il y en a 12 joueurs qui jouent dans Lilal. Et c'est tout bon les autres équipes, Al-Shabaab et Al-Snow aussi. Donc c'est quand même une véritable histoire parce que quand nous connaissons une grande nation du mondial, il y en a partout, en Europe, en Afrique, en Asie, dans l'Amérique. Donc Lilin prend une équipe que seulement est dans l'Asie, dans le championnat saoudien. Et quand nous guettons à Lilal, c'est une des plus grandes équipes de l'Arabie Saoudite. Champion les trois dernières saisons et surtout et champion de la Ligue des champions asiatiques. L'Argentine hier, c'était un des favoris de l'épreuve. L'Argentine qui finit tombée, c'était la sensation. L'Arabie Saoudite qui pas t'attend grand chose. Lui-même de ce match-là, il y avait Renault, vous rappelez l'Enzimas d'Hervé Renault quand le but de Messi finit annulé pour au jeu. Hervé Renault, tu parais plus que soulagé. Dans ce visage, tu parais qui les super attendent, comment dire, le score pour beaucoup plus lourd. Mais finalement, la donne a changé, c'était un grand gardien. Un mot sur le gardien, Mavin, quand même, c'est un Dimoun qui n'est pas trop fait parler de lui dans les médias. Il jouait en Arabie Saoudite, mais quand même, il montrait qu'il y en a le niveau pour rivaliser face au meilleur, face au Messi. Ouais, normalement, tout ce qui est à la Coupe du Monde, il y en a un niveau, normalement, personnellement. Mais ce qui, tu peux dire un peu plus tôt, c'est que la bonne joueur qui la Coupe du Monde, c'est un événement, comment dire, qui fait rêver tout le monde, tout joueur de football, c'est le rêve, ça, le possible d'une Coupe du Monde. Et je pense que ça devient une motivation, surtout quand on peut jouer contre Lionel Messi, contre un joueur argentin. Et c'est la motivation qui nous fait aller, je pense, faire un match comme ça. Mais Mavin, qui est capable d'arriver parce que l'Argentine a mis le premier goal. Messi met un goal 12 minutes après ce goal, puis n'est refusé pour le jeu. Martinez finit met deux goals ensuite qui vont inannuler. Litchi paraît qui tout est sous contrôle pour les Argentins. Ensuite, gagne mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est un autre match qui nous l'autre match. Comment Loïc dit, des fois, il vient loin des clics et une parole, une motivation qui l'entraînait, qui fait un discours à la mi-temps. Et peut-être Banjola aussi de trouver qui voilà, goal inannulé, 1-0, encore une mi-temps. Et pourquoi pas tenter une chance. Et quand j'étais rentré, j'étais mettre un goal. Et la confiance est venue dans le football, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu peux jouer, te trouver, capable d'une équipe plus forte que toi, mais tu as réussi à mettre un goal, tu gagnes motivation. Et l'équipe-là, il gagne un moment de doute. Et comme Loïc, tu peux dire, il y avait une ONG pressée, l'équipe. Ah oui, ça a été une pressée tout le temps, me dire, des fois, nous calculer, nous passer contre une grosse équipe, nous défendre nous, en reculant, mais c'est ça l'erreur. Normalement, quand on défend ou en avançant, il est beaucoup mieux. C'est là où elle pose l'équipe là problème de ce carré. Je pense que c'est ça qui fait l'Argentine un peu reculer et qui l'Arabie Saoudite, il met des goals contre et il réussit à remporter sa victoire. Et Lionel Messi, qui lui-même définit assez probablement ce dernier mondial. Nous expectons une bien meilleure performance, c'est Lin Marqué, mais quand même, le but qu'il a marqué, ce n'est pas ça qui dit pour rappel, c'est surtout la défaite de l'Argentine. Qui pas de mort, c'est dans l'équipe de l'Argentine, là, surtout en deuxième période, alors qu'il
tout est sous contrôle dans la première mi-temps. Ils ont été attaqués, ils ont été continués à attaquer, mais pas l'arrêt de grand-chose. Oui, selon moi, on pensait que pour Everona, 1-0 à la mi-temps, c'était déjà une victoire. Parce qu'il y a quand même une petite compte, c'était l'occasion qu'ils ont gagné, malgré c'était des occasions hors jeu. Mais pour Everona, quand on rentre pour ce banjo aussi, je pensais que c'est ça le déclic. Ils ont rentré 1-0, dire, nous avons fait nos affaires, nous sommes capables de revenir, nous sommes capables de tenter un exploit. Donc après, il a eu les mots justes, comme Jaoud, dans vestiaire. L'Indien a dans son interview d'après-match que Lille n'a pas envie de trop défendre, comme on m'a dit, il fait ressortir. Il n'a pas envie de trop défendre. Oui, nous respectons l'adversaire, mais seulement, comme on nous dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a l'attaque, il y a le pré-zut, là-haut, dans ce camp. Et ça, il m'a aussi que je ne récupère pas le ballon, je te mets en difficulté, ban joueur argentin. Et pour revenir à Lionel Messi, je pensais, ici, après le match, l'Indien nous besoin de rester unis malgré la défaite, parce que c'est ça qui fait la force de l'Argentine. Et même avant le mondial, il ne faudrait pas qu'ils nous emballent. Il ne faudrait pas qu'ils se tombent à zut par rapport, parce qu'il y a une phase de groupe qui vient passer avant et après nous guetter. Donc nous devons guetter match pour match. Là, le match de l'Arabie Saoudite, je pensais que c'est derrière Lionel Messi. Et là, avec le prochain match, qui est le Mexique et la Pologne. Donc nous devons, il ne faudrait pas nous trop condamner l'Argentine aussi. Il ne faudrait pas nous oublier qu'en 2010, l'Espagne, Tiquet Mors pour une défaite contre la Suisse 1-0. Et après, les Tunisiens, champions du monde en Afrique du Sud. Donc il ne faudrait pas nous trop mettre de côté, mettre l'Argentine aux oubliettes. Attention au réveil des Argentins. L'Argentine, il vise à oublier ce match-là, mais pas l'Arabie Saoudite. Et lui, l'Arabie Saoudite qui peut vivre pleinement le moment à Riyad, hier, nous trouvons Benzimaz, côté les Saoudiens. C'est la fête à Riyad, dans les rues de Riyad, ils ont dû même décréter férié. C'est un tremplin pour eux, en fait, ce qui est arrivé hier. Définitivement, c'est un tremplin, bon, parce que c'est pas ce que Manin dit, si nous jouons un match-là 10 fois, 9 fois capable l'Argentine pour gagner ça, une seule fois hier l'Argentine pour gagner ça. Donc c'est un véritable exploit pour une nation, surtout du continent asiatique, pour essayer à battre l'Argentine, le grand albicéleste. Donc un véritable exploit, et je pensais que là-bas les autorités décrétaient congé public, c'est surtout pour célébrer un peu ce grand exploit qui était une réussite. Autre belle performance d'hier et performance remarquable, surtout Olivier Giroud qui finit comme meilleur buteur de la France. Olivier Giroud, Mavin, qui est souvent très critiqué parce qu'il se dit qu'il n'a pas participé autant. Il y a un attaquant qui est supposé mettre lui beaucoup de goals. Mais quand on regarde les chiffres, Olivier Giroud, il met de goals. C'est d'ailleurs lié avec Thierry Henry, c'est des joueurs qui ne mettent plus beaucoup de goals dans l'histoire de l'équipe de France. Ouais, pour moi, Olivier Giroud, c'est un grand joueur. Souvent critiqué, comme on peut dire, et souvent sous-côté, mais c'est un garçon qui tout le temps garde le silence, il tout le temps travaille malgré les critiques. Et quand on regarde le palmarès d'Olivier Giroud, vous pensez, même en club, même avec la sélection, c'est un garçon qui gagne juste tout, et pour l'Inger, juste tout, et avec l'équipe de France aussi. Et c'est un joueur pour moi qui nous besoin de montrer plus de respect parce qu'il. Nous trouver qu'il travaille, quand on travaille bien, les récompenses viennent après. Et la France, championne du monde en titre, les Fines lancent au mondial hier, les Fines gagnent 4-1 contre l'équipe d'Australie, les Fines prend le premier but par compte, et après l'Inde réussit Révini, qui vous fait un petit peu de la performance des Bleus hier, alors qu'ils ont un titre à défendre. Enfin, pour moi, la France, c'est une équipe remaniée, avec beaucoup de blessures, beaucoup de stop à là, mais c'est une équipe qui. Tout le temps, la France est une équipe de haut niveau. Il y a un jeune qui est très bien. Il a un bel potentiel dans l'équipe. Et pour moi, la France, il peut faire, pour moi, un monde assez correct, mais je pas trop lié sur le podium, pour moi personnellement, parce que l'Australie, c'est pas une équipe qui. Pas une référence. Dit, c'est pas une référence. Et c'était un premier match, mais j'étais assuré ce match. Mais le reste à venir, nous étions dans le futur, quand nous passons le groupe, mais vos pensées. C'était 3 points importants à prendre. Oui, bien sûr, pour le moral, oui. Et hier, il y a 2 autres matchs, Mexique-Pologne et Danemark-Tunisie, des matchs qui finissent terminent le 0-0. Zodi, Loïc, nous avons plusieurs outsiders qui peuvent rentrer en action. Et nous commençons avec la Belgique, CNP, la corde de la dernière chance pour la génération dorée, De Bruyne, Hazard, Lukaku. Jusqu'à l'heure, c'est la meilleure sélection que le Brésil a gagné, mais les autres pas gagné grand chose. Ils n'arrivent très souvent, mais ça part de moi aussi. Si cette fois-ci ça part de moi aussi, pas pour vos amis. Je pense que c'est la dernière chance qu'on dit à chaque pour cette génération-là. Parce que le mondial, là, dans le mondial, peut-être l'Euro,
2024 aussi, que je cave dans un dernier des derniers. Mais là, c'est vraiment pour remporter la Coupe du Monde, c'est la dernière chance, parce que quand vous guettez la prochaine Coupe du Monde en 2026, il pourrait un peu plus compliqué, parce qu'avec je pourrais un peu plus vieux. Donc là, avec une Djali, ben Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, ben joueurs qui n'explosaient un peu en club, mais qui en sélection, je ne pas bien essayer de trouver un trophée majeur. Je t'ai essayé en 2018 en Russie, j'ai terminé à 3e place. Donc là, c'est cette fois où j'ai amené Lukaku Djali. Donc, nous ne connaissons pas si vous essayez de retrouver une génération pareille, aussi fort que ça, dans les années futures. Mais là, j'étais dans un bon jeu, dans tout bon comportement de jeu, dans un courtois, j'étais en défense centrale aussi, en milieu de terrain, dans Kevin De Bruyne, qui peut réaliser un début de saison extraordinaire avec Manchester City, avec ce duo, avec Erling Haaland, qui peut montrer bien, dans Romelu Lukaku, qui malheureusement, il peut arriver un peu de blessure. Donc, c'est cette fois ou jamais pour la Belgique. Et là, un duo qui nous peut attendre, qui nous pas connaît comment le péter, c'est Eden Hazard. Eden Hazard qui se faisait très bien avec Chelsea, qui avant de se avec Chelsea, s'est explosé à Lille, mais seulement là qui est en difficulté au Real Madrid, donc ne pas connaît apparemment les petits idées aujourd'hui. Donc qui visage Eden Hazard pour non, c'est tout, nous connaît, maintenant il est physiquement, il n'est pas bien, il est en surpoids. Donc espérer nous trouver une Belgique qui pourra loin, mais de là à remporter la Coupe du Monde, j'ai plus besoin, tout bonne planète pour vous aligner, pour vous autres, pour comment dire, qu'ils aient réussi au moins bon sur le toit du monde cette fois-ci. Mavin, qui la Belgique vous a fait pour convaincre déjà ce bon fans, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs au sein de la sélection belge, Yann Vertonghen même qui finit dire qu'il y a un pessimisme qui peut régner au sein du pays même et au niveau des autres supporters. Belgique, il peut bien convaincre beaucoup de monde, tout un pays, qui dit bien faire aujourd'hui. Je pense que dans le phase, le groupe Belgique pas pour les difficultés, mais c'est une équipe qui peut bien confirmer avec cette génération qui est dans là. Et mon Dieu, l'Euro, l'inraté, bien dire, il peut encore gagner un titre mondial. Et c'est une génération vraiment, vraiment talentueuse. Et quoi nous dire comme ça, des fois, ça vient ne pas dire la chance, mais. Dans le mondial, dans le football haut niveau, tout ça fait, il y a un petit détail. Vous pensez, vous êtes besoin de jouer ça, un petit détail, être concentré jusqu'à la fin, vous êtes capable d'amener ça titre là. Et peut-être nous espérons l'esprit d'équipe aussi, espérer être capable d'avoir une bonne individualité, mais l'esprit d'équipe, l'esprit du groupe, il est important pour nous capables d'être sur le toit. Du monde besoin, nous besoin réunir tous les ingrédients pour nous capables d'être champions. Et le fait de débuter contre le Canada, une équipe qui peut n'en rien à perdre, donc qui peut jouer avec zéro pression sur les épaules, c'était comme l'Arabie Saoudite qui est, lui-même, il n'est pas expert qu'il est sorti dans le groupe. Le Canada, il n'est pas venu là avec de grandes ambitions non plus. Est-ce que ça peut rendre la tâche de la Belgique plus difficile? Peut-être, il est capable en deux sens. Comment il est capable, le Canada, il est capable de faire un grand match, comment il est capable de passer à côté. C'est ça qui appelle un début, une petite équipe dit comme ça, comment elle est créer une surprise, mais comment elle est passer à côté. Tout dépend comment je peux gérer d'être l'émotion pour cette Coupe du Monde qui je peux faire. Loïc, le Canada, qui c'est pas une équipe qui peut dominer depuis de longues années, mais c'est une équipe qui peut monter en puissance, c'est une équipe qui peut perdre dans la phase qualificative, et le Canada qui a quelques bons éléments également. Oui, quand nous causons le Canada, nous causons surtout Alphonso Davies, le latéral du Bayern, mais lui aussi, il peut revenir de blessure, il tient un petit moment, il se met manqué, s'il peut participer, s'il peut là ou pas pour là, mais finalement, il peut bien présent. Nous ne connaissons pas s'il peut jouer aujourd'hui contre la Belgique, mais quand même, en attaque, nous avons Jonathan David qui peut faire un bon début de saison avec Lille. Donc, Jonathan David qui cotisait un peu partout, nous pouvons dire Chelsea, un peu ban grandes équipes européennes qui peuvent redire. Donc, c'est surtout sur ce bandeau là. Ban les autres joueurs, ils n'ont pas trop connu du monde, dans le monde footballistique. Donc, est-ce qu'ils ont pour cave rivaliser avec la Belgique? Ce sera certainement très difficile ce soir, parce qu'ils nous quand une cause, nous y a une spéculation avec Clarel pendant l'émission, c'est surtout peine profonde du banc. Donc, quand nous guettons la Belgique, il y en a beaucoup de joueurs, il y en a Andries Mertens, il y en a beaucoup de joueurs qui cassent du bon vini, il y en a un très très bon joueur, alors que le Canada, il est besoin mise un peu sur son individualité. Moi, je me dis, Jonathan David en attaque peut-être, Alphonso Davies, mais Alphonso Davies, c'est un peu plus latéral. Donc, nous ne connaissons pas, mais je pense que ce sera très difficile pour le Canada face à la Belgique. Nous allons à la rencontre d'un fan de la Belgique, qui appelle Zéphelon, beaucoup internautes capables déjà connus. Il vit en Belgique et il est un grand fan des Diables Rouges. Il peut montrer nous comment il peut vivre ce mondial.
nettement plus calme que d'habitude. Déjà qu'on n'est pas en été, on est en plein automne, voire l'hiver. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus, hein, plus froid que d'habitude. Puis ensuite, avec le contexte actuel, la guerre passée et même prix plus augmenté que soit, c'est qu'il n'a pas trop envie, va dire, faire la fête. Malgré tout ça, pour Bizna Kabe quand même, supporte l'équipe. Donc, moi pour moi, ce qui me l'a posé par rapport à ça, ensuite, je referme le chapitre, c'est que si tu n'as pas dit pour revendiquer quoi qu'une chose, il fallait le faire dès le début, qu'il me donne l'étiquette, enfin, il me donne l'enveloppe au 14 pour dire que la compétition se fera là-bas. Et c'est déjà de là que tu me disais, vas-y, vas-y, revendique quoi qu'une chose. Là, ici, on se retrouve ici, à faire une Coupe du Monde, quand tu n'as la plus pauvre, nos autorités ici en Belgique, ils ont dit, ben non, c'est une Coupe du Monde de la honte, ben sponsor, je pas sponsorise comme d'habitude. Et bref, ça déjà, c'est. Voilà, c'est ralent. Fini par arriver avec quoi jusqu'à l'eau finale, et ensuite l'eau finale n'a été qui peut arriver l'eau finale, mais ça va arriver passe la phase de poule ou quoi que ce soit, mais vous pouvez pas jusqu'à l'eau finale et quoi, et on va arriver non, puis la préparation sorti dans poule direct finale. C'est fait l'un gars tout give. Alors, qui me prévoit? Donc, de base, rien, mais là, ici, grâce au collège de mon fils, j'organise un grand écran avec, différents élèves du collège. Donc, ici, en famille, nous allons check le match de la Belgique contre le Canada, donc, au collège de mon fils. Ben, à mon avis, ça sera sobre, hein. Mais ensuite, on est en Belgique. On est en Belgique, nous avons tout cas arrivé à n'importe quel moment donné. Donc, que ce soit pour peu importe le résultat, c'est qu'ils ont fait là à un moment donné. Nous avons besoin de dire, mais on n'est pas venu ici pour rien, les amis. Hein? Et là, pour faire la fête. Comment Belgium, papam. Est-ce qu'il peut nous défiler, famille? Est-ce qu'il peut nous défiler? C'est pas en fait le défilé après un match de la Belgique, peu importe le score, c'est qu'un défilé n'est pas programmé d'avance. Sauf pour la police, parce que la police, par rapport à ça, une écoute, je mettais même barrage, on va dire pour, hein, je disais tension. Mais là, ici, c'est complètement différent parce que c'est complètement différent par rapport à ce qui, ben, on n'est pas dans la même période de l'année. Écoute, encore une fois, on peut répéter, moi, je dis qu'il fait plus frais et il y a ça, il y a plusieurs conjonctures qui jouent contre par rapport à ça. Mais est-ce qu'il peut nous défiler? Moi, je dis, s'il peut nous défiler, c'est que même pour le coulteur, hein? De suspension à la ligne. Si plein de défilés, moi, c'est les filles de l'amour même. Elle est là. Mon Jedi pour les autres. C'est une famille. Eh, t'en chaud, gagne. Autre vidéo, gagne. Autre zèpe, gagne, perdu. Got to give. We are Belgium. Come on, Belgium. Papam. On ne peut pas être plus fan de la Belgique que Zeffelen, lui. Définitivement, parce que quand on a un match sur tout l'Euro, quand on a Zeffelen, comment un match, comment Belgique gagne à chaque, Zeffelen, il est dans les rues de la Belgique, avec son pavillon, il peut tromper, klaxonner, vous êtes là partout. Donc, Zeffelen est un grand fan de la Belgique, et me pensez, marre content, si la Belgique remporte la Coupe du Monde. Zeffelen, si Pena défilé, Zeffelen pour organiser un défilé pour nous revenir juste après cette pause pub.
avec nos loteries Le Million de GM Punjabi du 21 octobre au 9 janvier 2023 pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Côte Mammouth et Xoban Rivandir ou Ena Ensens Gainban Cash Prize Ena 1 million roupies à remporter. La fin de l'année vous solinette. N'a pas tardé à l'asté ou produit asté à la même avec GM Punjabi pour dresser net. La Million, La Million, La Million. Retour dans le rond central et tout de suite, nous allons retrouver une rubrique qui est très appréciée par vous, chers internautes, le Mika Broadcast Channel qui amène une touche d'humour dans la zone. Aujourd'hui, nous allons guetter le quatrième épisode, un quatrième volet qui est intitulé Couverture. Média Gauthier, ouais, laissez. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, gars, c'est là, qui veut? Non, la police pas là, Ouais, expliquez. Service, qui service encore? Qui l'a roudou bien fait encore là? Ouais? J'ai ta femme de blinguer football que moi? Et nous voulons gagner pour le rousa que vous attaillez. Ouais? Ou bien pour le pente, maman vous a couvert aux cinq goulas. Hein? Ou bien pour se battre? Ouais? Non, mais au moins passé, même plus tard, là, passé. Non, mais au moins, si mon femme, c'est tout ou toi, mon café, c'est sur les mégots, je sais pas, tu l'aimes, tu comprends là? Toujours, t'es bon, mon femme, c'est un gars, j'ai dit ça. Bien, allez, mon goût, j'ai où? Amusé? Allez, bien fait, bien, c'est bon, hein? Allez, t'es intéressé. Si ça tu vidéo là, il casse de stress et fait de plan pour mon avion, alors pas oublier, like, partager et follow la page de Mika Broadcast Channel. Toujours Mika qui paye nous, casse nous stress. Pour tout de suite, nous vous retrouve Jean-Luc Emile avec sa rubrique Regard suédois. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Ashfaq, bonjour à tous. Le voyage est bien passé. Oui. J'allais à Dubaï. Le misé, on prend un petit peu de soleil. Oui. Un petit peu de chaleur, surtout. Retour difficile, en tout cas la réalité. Difficile. Et Jean-Luc, justement, on a un pays voisin du Qatar qui a annoncé que tout un pays voisin serait en fait. Mm-hmm. Et la situation, quelle est la situation à Dubaï un peu? Alors, quand on dit voisin, nous, à moins d'une heure en avion, vous capable de penser que l'ambiance du Qatar est ressenti à Dubaï, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'étais déçu parce que moi, j'ai plus envie, au moins même Spa Qatar, à Dubaï, vive l'ambiance. C'est vrai qu'on avait annoncé au départ qu'Iban fans pouvaient venir dans Dubaï pour assister au match. Dubaï demeure, pays de transit uniquement. C'est-à-dire, ou pas senti l'effervescence qui nous peut atteindre de Dubaï, du monde passé, passe l'aéroport, allez. Alors, il y a un chiffre pour lui, extrêmement intéressant de savoir qui, par exemple, il y a au moins 48 vols qu'il peut faire donc, quotidiennement.
pour expliquer que donc les aéroports sont remplis de personnes, mais peinant vraiment affiche les couleurs. Hein. Donc, on ne peut pas connaître pas Saint Fans, moi je peux dire où l'équipe là, non, c'est Saint Fans de la France qui passe devant vous. Mais où connaît ça, Mandimoun là, Pévini, mais est-ce qu'ils ont Pévini essentiellement pour le foot, ça nous pas connu. Alors, dans ce qui m'ont trouvé, moi, je suis capable de dire que la rivalité qui est supposément depuis 2021, quand les vols finent reprendre Dubaï et Qatar finent aller, mais nous sentons que Dubaï n'a pas trop envie de surfer la vague de la Coupe du Monde, parce qu'il y a sa panne polémique qui peut tenir dans la Coupe du Monde. Donc, Dubaï semble éviter de rentrer dans sa polémique-là. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on passe devant un pub, on trouve un pavillon. Et quand on passe devant l'hôtel, il y a une place qui est dédiée pour regarder les matchs, mais sans plus. Au final, Dubaï, il y a un petit peu comme un bistro, un petit repos, où c'est habillé pour prendre une navette à ce qu'il paraît. Tout à fait, une navette. Alors, un avion, moi, tu peux dire où, 60 de vols programmés depuis Dubaï, 48 depuis Oman, 20 depuis Koweït, et une quarantaine donc depuis l'Arabie Saoudite. Donc, tout ça, le pays voisin là, et puis utilise sur l'aéroport pour transporter Benjamin vers Qatar, mais sans plus. En tout cas, je me fais plaisir à l'hôtel pendant une semaine, je suis capable de dire que Benjamin qui est dans l'hôtel, c'est souvent un touriste qui vous croisez, qui vous rencontrez, qui rentre avec un gros sac shopping. Pas de encore vraiment l'effervescence hein, après les premiers matchs qui nous sont dit, mais je n'ai pas fait un grand intérêt pour ce qui se passe. Et d'ailleurs, Dubaï n'a pas fait faire vivre donc, la Coupe du Monde. Et nous ne pouvons pas dire, honnêtement, la seule campagne qui nous trouvait sur place, l'utilisation de l'image de l'international français, Karim Benzema, donc est utilisée qui dans les billboards partout pour la campagne « Where the World Celebrates ». Alors, une campagne extrêmement intéressante, peut-être à l'écran, pour capable Getly, la campagne « Celebrate like an icon », donc le vainqueur du Ballon d'Or 2022, dévoile ce célébration qui appelle le Benzayala. Alors, le Benzayala, l'association du nom de Benzema avec le célèbre Ayala. Le Ayala, c'est une danse culturelle traditionnelle donc exécutée par les Émiratis lors de bonnes célébrations. Alors, on prend le nom de Benzema et Ayala, donc ils ajoutent ensemble. Et sa combinaison-là semble bien plaire à Benzema parce qu'il finit causer dans plusieurs interviews qu'il finit donner. Il parle au terrain, malheureusement, mais il sur les billboards. L'histoire, pas pour capable de dire, c'est les types de danser. C'est le timide un goal parce qu'il n'est pas là. Mais en tout cas, nous sommes capables de dire que dans Dubaï, la présence donc, de Benzema est réelle sur les billboards, même s'il n'est pas là au terrain dans Qatar. Pour le plus grand bonheur de Jean-Luc Emile, bien évidemment, pas fan du Brésil. Bien, non, du tout. Pas gagné la guerre, mais il n'est pas fan de l'équipe favori en tout cas. Non, je m'avais dit pour le rentrer, mais il y a mes t-shirts, c'est bon. Quand je l'ai vendu. Non. Par contre, je m'en amène un t-shirt pour vous. C'est mon papa qui a remetté sa couleur là. On comprend. Merci beaucoup Jean-Luc. Bien évidemment, nous vous retrouvons Jean-Luc Emile dans nos éditions prochaines. Et pour tout de suite, nous passons au prochain match. Donc l'Espagne qui, au retour, plutôt l'Allemagne, qui c'est le début d'une nouvelle ère. Il y en a beaucoup de jeunes au sein de la sélection allemande. D'ailleurs, le plus jeune joueur du mondial, c'est Youssoufa Moukoko. Très jeune, Loïc Hine retourne au plateau avec nous. Loïc Moukoko, 18 ans, le plus jeune, quand même le plus jeune, mais déjà beaucoup d'expérience et il peut faire déjà très bien au bout de l'Echliga. Le plus jeune, oui. Moukoko, depuis la saison, il est plus jeune dans le Echliga avec... D'ailleurs, il a beaucoup de records de précocité. Voilà, justement. Donc, il peut faire très bien, il peut jouer très bien avec le Borussia Dortmund. Je pense que c'est à cause de ça que Hansi Flick il sélectionné avec la Mannschaft. Donc, Moukoko, est-ce qu'il peut avoir une place titulaire? Ça me pensait un peu difficile pour démarrer, mais quand même, avec sa rapidité, la fougue de la jeunesse, nous vous dit, il peut envie de montrer qu'il a les capacités pour jouer sur les couleurs allemandes. Et Jamal Musiala qui finit passe tout près d'être élu le meilleur jeune joueur l'année dernière. Lui aussi, il peut faire très très bien. Et Lili Desan, très jeune, mais déjà cadre de ça à l'équipe d'Allemagne là. Oui, parce que comme Moukoko avec le Bayern Munich, Jamal Musiala peut faire très bien lui aussi. Vous pensez que c'est l'homme du début de saison au Bayern. Il peut faire marrer bien quand nous guettons sur les statistiques, surtout buteur, passeur, un joueur complet. Donc c'est sans surprise qu'il est là avec la sélection allemande. Et lui, par contre, vous pensez qu'il peut avoir une place dans le 11 de titulaire ce soir. D'ailleurs, souvent, lui est titularisé par Hansi Flick, le sélectionneur, le roi Sané.
pas pour la Zodi, donc ça capable profite davantage à Moussiala. Mais vine la sélection allemande qui n'est plus trop au premier plan, mais qui peut revenir quand même. Oui, quand nous cause l'Allemagne, c'est une équipe qui, comme on le disait, tout le temps dans la phase finale, tout le temps, il est présent. Et l'Allemagne, toujours pour moi, c'est une équipe très redoutable. Tout Coupe du Monde, l'Allemagne les fait tout le temps bien. Et là, c'est une équipe, comme on a déjà remanié, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est une équipe en reconstruction. Et tout reste à venir. Nous mouvons l'Allemagne avec un prudent, comme on a déjà, parce que c'est un bête noir de mon équipe et du Brésil. Et pour moi, l'Allemagne reste tout le temps dangereux. Pas trop content l'Allemagne, là aussi. Ça a l'air d'être en travers de ouais, la il y a un petit goût amer qui est resté. Donc, l'Allemagne qui peut jouer contre la Croatie à 17h, la Croatie qui, quand même, a de bons arguments. Ce n'est pas pour facile pour les Allemands, mais est-ce qu'ils trouvent une victoire de l'Allemagne au final? Oui, pour moi, personnellement, je pense que l'Allemagne pour gagner ce match. La Croatie, c'est quand même les vice-champions du monde. Ouais, et la Croatie, c'est pas une petite équipe, mais. Enfin, pour moi, je pense que l'Allemagne, soit l'Allemagne, soit un match nul. Loïc, la Croatie, qui nous peut retrouver un petit peu les mêmes joueurs, il y en a certes quelques nouveaux qui nous rejoignent le groupe, mais il y en a beaucoup de joueurs qui, déjà, lors du dernier mondial, tu peux dire peut-être c'est le dernier mondial, mais c'est encore la même. Qui vous fait un petit peu de l'équipe de la Croatie pour ce mondial avec l'effectif qu'il y a mené? Donc, juste une petite précision, je crois que peut-être une fin de tirer, c'est l'Allemagne, ce sera contre le Japon. Contre le Japon. Et la Croatie qui vous est contre le Maroc. Donc, nous, quand on attend une bonne performance de la Croatie, et c'est ça, c'est tout, avec ce Luka Modric, et c'est tout, je pense que c'est la star de la Croatie. Donc, la Croatie qui peut jouer contre le Maroc, il peut donner favori pour la victoire. Et pour revenir un petit peu à l'Allemagne, l'Allemagne qui doit se faire pardonner par rapport à 2018. Parce que quand on connaît, c'est un peu la malédiction des tenants du titre, c'est éliminé en phase de poule avec deux défaites déjà contre la Corée du Sud et contre le Mexique, si on ne m'a pas trompé. Donc l'Allemagne, ils ont fait pardonner, ils sont entraîneurs, Joachim Löw est allé, c'est Hansi Flick qui est arrivé. Donc Hansi Flick, l'équipe apporte une touche personnelle à l'équipe, nous fait un amalgame par rapport à Banjo expérimenté, quand on trouve Thomas Müller. Et là, quand on trouve Banjo, c'est tout Banjo en attaque, Kai Havertz, Karim Adeyemi, Moukoko Nkosli. Le Rossané qui malheureusement pas pour là. Donc l'Allemagne, les Brésil c'est une grande nation du football, mais nous devons quand même faire très attention à l'Allemagne. Il est un adversaire intéressant lui aussi. Il n'est pas parmi les favoris cette année par rapport peut-être à ce bande dernière performance, surtout mondial 2018. Mais quand même, nous devons respecter la sélection allemande. La sélection allemande, justement, l'équipe qui s'amène ou pas éliminée dans aucune grande compétition. Une autre équipe qui peut venir avec de grandes ambitions, c'est l'Espagne. C'est une équipe qui peut venir avec beaucoup de jeunes. D'ailleurs, c'est une des plus jeunes sélections de ce mondial-là. L'Espagne qui peut remonter en puissance après un moment, un passage à blanc, un passage à vide, Mevin. L'Espagne qui peut revenir séduisant. Ah oui, l'Espagne peut mettre l'emphase pour que le chemin de jeunes. Quand nous trouvons, il y a beaucoup de joueurs. Même nous tous, David Derrière qui parle là-dedans, et il y a Thiago aussi qui parle dans la sélection, et il y a aussi Sergio Ramos qui parle là-dedans. Et quand on écoute sur l'entraîneur, il met l'emphase au band jeune, et il y a un band jeune qui est très très talentueux et qui me pense dans l'avenir pour une équipe est très redoutable, mais pour confirmer dans sa Coupe du Monde là, actuellement, là, c'est pas. Pas connaissent pas l'équipe infinie pareil ou pas comparée, mais tout reste à venir. L'Espagne qui vous est contre le Costa Rica et l'Espagne, Loïc, qui a beaucoup de bons arguments, un bon mélange finalement. Il y a des jeunes, mais aussi quelques cadres qui finissent d'être conservés par Enrique. Oui, il y a quelques cadres. C'est en attaque quand nous guette la présence d'Alvaro Morata. C'est seulement le pire numéro 9 qui est dans la sélection espagnole. À côté de lui, il y a Ansu Fati qui est lui aussi. Enfin, il y a il n'a pas fait une très bonne saison actuellement avec le FC Barcelone parce qu'il ne connaît pas éloigné du terrain pendant plusieurs mois avec ce blessé au genou. Donc là, Ansu Fati qui peut revenir doucement. Mais quand même, en milieu de terrain, il y a les deux jeunes joueurs du FC Barcelone, Pedri et Gavi, qui quand même peut faire très bien avec les Catalans. Donc l'Espagne, il ne fallait pas nous trop éliminer parce qu'il fait quand même une très bonne qualification pendant la phase qualification avec 6 victoires, un nul et une défaite. Donc nous avons fait très attention à l'Espagne. Surtout, il peut faire bien en Ligue des Nations, quand il bat même la Portugal, le Portugal nous a fait très attention. Donc, Luis Enrique, qui fait un choix fort quand même, quand nous guettons,
Il y en a beaucoup critiques par rapport à la non-sélection de David Odera. Qui partit même dans les 55 joueurs présélectionnés d'abord. Donc, il y en a un petit peu plus de questions, mais est-ce qu'il est tout clair, ça n'est pas tout clair. Donc, c'est si De Réa qui peut faire très bien avec Manchester United. Mais quand même, arrivé un moment, De Réa est parti constant par rapport, tu fais beaucoup de bandes aussi. Donc, il faut de nous dire. Mais là, quand même, il fait un bon choix faux avec Una Simmons qui pèse avec l'Athletic Bilbao. Il y a quand même Robert Sanchez et David Raya au Brentford et Brighton aussi qui peut faire très bien aussi. Mais David De Réa n'est pas là. Et je me suis déjà dit dans la première émission, le président de la Fédération espagnole, tu pensais que David De Réa prend sa retraite internationale, c'est à cause de ça qu'il n'est pas parmi les 55. Il n'est pas si connu que Luis Enrique prend la décision là. Donc, mais venir faire ressortir, il n'est pas un problème d'expérience. Quand même, quand nous avons Sergio Ramos, par rapport à ce palmarès, Thiago Alcantara aussi, qui est un très bon joueur, un très bon milieu de terrain. Donc, c'est un choix faux que Luis Enrique peut faire. Mais là, il peut vous montrer qu'il vous a une réponse sur ce bon choix, surtout sur le terrain. Donc, la Costa Rica, de l'autre côté, Lille, il a un grand joueur, après Keylor Navas dans le but. Donc, nous avons fait très attention. Mais l'Espagne reste un des favoris que nous avons dit. Peut-être pas au niveau du Brésil, de la France, de l'Argentine, peut-être de l'Angleterre, mais l'Espagne, il faut l'entendre. Ça est très valable. Très valable, voilà. Et Mavin, tant de jeunes dans une sélection pour une campagne de qualification, c'est une chose. Là, le mondial, la Coupe du Monde, côté nous trouver, il y a beaucoup d'équipes qui préfèrent miser sur l'expérience, la gestion d'un tournoi. Mm-hmm. Est-ce que ça aussi capable de faire plus de mal que de bien? Surtout quand on arrive dans un stade de compétition comme l'école, les demi. Ouais, c'est ça, ben match qu'on est décisif. C'est là que tu faisais un jeu d'expérience et ça peut-être qu'à peu près j'étais un problème là, mais comment le dire, il y a un jeu comme un Busquet qui a un cadre qui a un jeu beaucoup, avec beaucoup d'expérience. Peut-être pour Miso, mais pour moi, l'Espagne reste une équipe d'avenir plutôt que confirmation pour ça mondial là. Qui est pas fifou qui Brésil, il vient à problème. Et là, justement, nous, quand on a un fan du Brésil, il y a aussi mannequin, c'est Emily Bullock, le icône de Emily Bullock, pour le temps additionnel. Nous guettons ça, après nous revenons là. Emily, merci pour participer dans notre rubrique Le temps additionnel. Donc, nous trouvons au final affiche la couleur. Donc, dis-nous avant tout, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, donc pourquoi le Brésil? Bon, déjà, le Brésil, pour moi, c'est un pays de rêve qui m'en veut visiter depuis petite. Et pour ce chaleur, pour ce accueil, pour ce vent de couleur, ce samba et tout, ben voilà un petit peu. Et ben, je jouais aussi. Bon, mon frère tient le footballeur qui tout le temps me trouble bien, ce pour le ban. Ben, joueur du Brésil, ben, me dis, ben, pourquoi pas moi aussi me suivre ça chemin un petit peu. Et là, après 20 ans qui la Coupe du Monde, qui Brésil pas remporte la Coupe du Monde, donc qui va le sens qui va accorder le Brésil pour cette nouvelle édition? Bon, je pensais que le lieu qui peut faire la Coupe du Monde, là, il y a un pays assez chaud. Le Brésil, c'est un pays qui, quand même, cette température chaud aussi. Pensez ça vous est positif face à Vanna et j'étais dans quand même un bon joueur cette année-là. Aujourd'hui, un bon joueur, vous faites référence à qui? Neymar, vous êtes Jezet, Neymar. Et après, il y a encore deux bons joueurs qui ne font que rejoindre Manchester United. Et je pense que ça dit là aussi pour favorable pour ça, pour l'équipe du Brésil. Donc, nous connaissons un emploi du temps très chargé avec les jeux de la CGSO qui peut arriver bientôt. Donc, dis-nous comment vous faites pour arriver au carré de ce match-là? Bon, j'espérais qu'il va le match là pour redifférer l'après-midi ou bien qu'il passe le soir parce que c'est le moment qu'il me pourra pas sortir pour aller le match. Bon, nous organiser, nous bien contents le sport, nous bien contents le football et mon pensée. Et là, du coup, mon frère Bévin Maurice, ça va être encore plus top pour sortir pour nous aller le match là, on dit que nous sommes camarades et pour nous mettre un mari l'ambiance ensemble parce qu'il s'aime qui la joie de vivre là, en fait. Mais comment vous faites pour organiser, pour gagner le match là? Est-ce que vous pouvez amener le maillot du Brésil, le vous vous êtes là ou tout ça? Oui, on amène tout, nous vous vous êtes là, on amène nos t-shirts, on amène tout ce qui vous a nous peindre, nous figuer, nous mettre nos drapeaux, tout ça là. Nous bien organisés. Hein?
Mais du fait, vous l'avez avec Ludovic. Vous connaissez Ludovic, un très bon fan de la France. Donc, c'est arrivé dans le match Brésil, la France en finale. Donc, imaginez comment ça peut être. Ça va être chaud. C'est vrai, ça va être chaud parce que Lili, la France, maman, Brésil. Mais c'est arrivé, nous pour l'OL finale ensemble, mais nous pour rivalité, nous pour rival. Non, non, là, on est le sport, nous pas camarades du tout. Ça, il est comme ça tout le temps parce qu'il nous fait le sport. Mais mon pensée, les pour Marie, c'est ici nous arrivons au final. C'est la France, en France, Brésil, pour Marie, top. Émilie, la rubrique, c'est pas seulement questions-réponses. Aujourd'hui, il y a un défi pour faire vous relever. Donc, le défi à relever, c'est 5 jongleries en 3 essais de la tête. Et après, vous gagnez un petit goodies offert par notre sponsor, Hisense. Vive le Brésil! Défi relevé. Bravo, Émilie. Donc voilà un goodies offert par notre sponsor, Hisense. Émilie Bolloc, grand fan du Brésil, Loïc. Grand fan du Brésil, comme notre invité, Mavin Jocelyn. Mavin Jocelyn qui peut croiser les doigts. Nous pétouchons bientôt à la fin de l'émission, mais avant tout, place au jeu que tu as l'occasion de remporter une télévision Ultra HD 55 pouces de la marque Hisense. La question du jour, vous finissez le temps additionnel avec Émilie Bolloc, qui fait passer là où fait trouver. L'osso maillot du Brésil, qui mettait dans sa vidéo, là, il y a un numéro qui n'inscrit pas d'hier. Qui numéro ça? Pour avoir une réponse, en commentaire, dans sa vidéo là, vous mettez hashtag LSC, en l'espace, et vous mettez une réponse juste après. Nous rappelons qu'il y en a jusqu'à demain, 12h30 pour répondre. Chaque bonne réponse, chaque jour de match, niveau N points. Le vainqueur peut être annoncé le jour de la finale. Avant d'aller, Mavin, un petit pronostic pour 3 matchs, Allemagne-Japon d'abord. Pour moi, une victoire de... 3-1 pour l'Allemagne. Confiant, c'est moi l'Allemagne que j'ai pu prendre un goal, c'est pas mal. Et pour l'Espagne, Costa Rica? 2-0 pour l'Espagne. Et Belgique, Canada, Belgique quand même qui n'a beaucoup à prouver. Ouais. 1-0 pour la Belgique. 1-0. Ou Loïc, l'Allemagne, où trouve l'Allemagne? Donc avant de donner nos pronostics, moi je dis à l'internet, fais bien attention, man pronostic pour lui, parce qu'il gagne get Euro 2020, il donne man pronostic qui l'a dans même, moi. Donc pour revenir sur la première. J'ai dit Pépé, où qu'on prend Brésil pour gagner. Pas là bon, pas les autres là, mais c'est pas ça qui a été bon là. Donc pour revenir sur la mon pronostic, me donne une victoire de l'Allemagne et il y a 2-0. Par rapport à l'Espagne, il y a l'Espagne 2-0 pareil et la Belgique, me pensais pour. Monza et Canada là facilement, donc nous disons 3-0 pour la Belgique. Nous rappelons qu'il y a un match qui peut jouer en ce moment, le Maroc peut jouer contre la Croatie. Nous peut jouer quelques minutes dans le match et le score est toujours de 0-0. Le rond central pour aujourd'hui, c'est déjà terminé, mais reste connecté dès demain. Nous retrouvons autres pour une nouvelle édition.
Avec nos loteries Le Million de GM Punjabi, du 21 octobre au 9 janvier 2023, pour tout achat de produits comme Hisense, Inco, Ferré, Val, Mikachi et Dekakila Côte Côte Mammouth et Xoban Rivandea, ou Ena N Sans Gaiban Cash Prize! Ena N Million Roupies à remporter! La fin l'année pour Zolinette! N'a pas tardé à l'aster ou produit à ster la même! Avec GM Punjabi, ou dresser net! La Million! La Million! La Million!